Salut tout le monde, on se retrouve pour une première, une nouvelle, pas une première, vidéo sur héros et généraux. Je suis avec mon super fantassin sniper, aussi nommé la feuille d'automne. Et nous sommes en expédition. Oh. Un mec vénère qui vient de tuer trois de mes alliés. Sans même que je le vois, il est là-bas, je crois. Hop là. Sans moi, on aurait été vachement ralenti sur cette ligne-là. Hein. Franchement, parce qu'il aurait empê il nous aurait empêché de prendre le point s'il m'avait tué. Et ensuite, il aurait campé encore un moment, probablement. Déjà, il nous a ralenti en faisant qu'il n'y ait que moi qui tienne la ligne. Alors, attends, change d'arme. C'est nul ça, le truc. Quand on est à terre, on peut pas changer d'arme. Hop, voilà. Je crois que j'ai retué le même. J'ai pas vu combien ils étaient à bord du véhicule. Où est-ce que je serais allé à leur place? Peut-être ici. Visiblement non. Sinon dans la maison là-bas. Potentiellement sur le toit. Et ils étaient invisiblement. Et il m'a eu. Ah bon, voilà un deuxième. Je sais pas lequel m'a eu, mais. Oh là 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 là. What, il est dans l'arbre ou quoi? Non, il est juste au-dessus, il m'a fait croire qu'il cheatait et qu'il enfin qu'il glitchait, je sais pas comment, et qu'il s'était retrouvé dans l'arbre. Les thugs. Ils rush, ils rush, ils rush, ils rush, ils veulent close la ligne. Je pense qu'il y en a un qui est resté. Il compte bloquer tous les fantassins. On est 18, on est très peu sur cette ligne, je pense. On est très peu nulle part, enfin tout partout en fait. Je sais pas s'il y a du monde en l'air, en avion ou en je sais pas quoi, mais. C'est effarant. On est 4 morts. C'est pas normal. Ouais, j'ai réussi à tirer dessus, hein. Il est derrière moi. Oh, il était. Oh. Hop là, toi t'es mort. Nous on tient, eux ils prennent à deux. Ah nous on tient. Hein. Pire c'est qu'ils sont pas capables de prendre à deux. Je me doutais qu'il allait s'arrêter là, se croyant protégé. Et là, bam! Une balle dans le dos.
Il y a un véhicule qui arrive par là. Je vais. Oh! J'en ai plus. Est-ce qu'il y a un truc de médoc là-bas? Il y a une autre grille qui est en train d'arriver. À ta place, je me cacherai, mais. Le pire, c'est quand il touche et il me dérègle ma vision. C'est atroce parce qu'il fait quasiment zéro dégâts. Mais comme il m'a déréglé ma vision, bah, j'arrive plus à le toucher. C'est plutôt terrible quand même comme truc. Et évidemment, il avait le ruban résistance aux dégâts. On a beaucoup de parachutistes visiblement sur une ligne voisine. On reste 88, bon. Tant qu'il y en a, autant en profiter. Alors lui, je crois qu'il a mon arme et il est mort. Non, il s'est juste allongé. C'est terrible cette arme. Le truc c'est qu'une quand il rush le point, j'imagine qu'il a même pas besoin de recharger. Tellement il a de balles dedans. Du coup, je vois plus rien, moi. On a perdu la ligne C, c'est pour ça qu'on a plus de monde, à mon avis. Et on n'est pas très bien sur la ligne E. Ah, et lui, il a pris une arme des méchants. J'ai même pas vu le type. Je savais pas si c'était un pote ou pas qui avait gagné le combat. Nickel. Est-ce que j'ai encore. Ouais. Qui est-ce qu'on soigne lui par exemple? Hop. On va dire que tu seras plus efficace que moi parce que. Point suivant. Je peux pas monter au siège du conducteur, j'ai tenté au cas où. Il y a un mec, on va le. On va le sortir du jeu. Avec une petite balle bien placée. Là, ils ont pas de blindé ou quoi. Enfin, ils utilisent pas en tout cas de blindé ou quoi que ce soit. Je me suis fait avoir par un fantassin sniper. Je pense que combiner des gens très forts au fantassin sniper et des gens très forts pour camper dans les points et attaquer,
Ça fait vraiment un truc redoutable. Parce qu'on peut pas se déplacer entre les points. Il y a des équipes qui sont perfectionnées dans un des types. Il veut que je le ramasse lui ou... Non, ok. Pff, là j'ai vraiment tiré quasiment au pif en fait. Enfin, j'ai tiré dans sa direction, mais j'ai absolument pas vérifié que j'étais sur lui. Pas le mec en vélo. Oh, on est en train de perdre ce point-là. On va se faire rec, non? C'est pas notre dernier point. Elle est dure cette partie. Et là, on est en train de perdre notre dernier point d'accès. Pourtant, c'est pas PKA qui a fait la masse de kills, c'est juste l'infanterie squad 1. Ils se sont bien débrouillés. Enfin, ils ont des joueurs qui se sont bien débrouillés. Mieux que les nôtres. Moi, je suis deuxième de la partie. Alors que je me considère pas comme un joueur démesurément fort. Donc, ça veut un peu dire quelque chose. Bon, j'ai dû faire des captures et puis j'étais là au tout début, donc ça aide, mais... Donc la ligne, c'est celle qui passe à côté. Mais bon, le pont, c'est plus facile à utiliser. Ce serait bien qu'on tienne 17 minutes au moins, plutôt que de se faire rect complètement. Il va arriver par là, non? Théoriquement. Quelqu'un dans le point, je l'ai pas vu. Plutôt cacher sa tête. J'en ai vu passer là-bas. Je vois passer des gens, mais ils ne s'arrêtent pas. Est-ce que c'est nous qui avons des blindés? Non. Je sais pas pourquoi il a pris ça. Ah, pour abattre les avions. Par contre, c'est moins pratique que mon arme à moi. Il y en a toujours un APC là-bas. Je suis à peu près sûr que c'est inutile, mais je sais pas si le mec qui a la PC s'y pointait. J'évite les blés parce que ça ralentit beaucoup. Il est nul! C'est un ennemi ça? Ils veulent faire quoi? Ah ici, ils vont tuer ma voiture. Je vois. Vous avez eu ma voiture. Je l'ai loupé. Ça c'est nickel. Non, faut que je recharge, mon Dieu.
Ah là là, j'avais pas vu qu'il était. Je me suis pas souvenu surtout qu'il était en train de recharger son arme. Sinon, je l'aurais pas prise. Oh, c'est un peu abusé ça. Ah oui, ils vont camper le spawn. Enfin, ils vont. Ouais, c'est ça, ils vont camper notre spawn. Oh là là. C'est terrible. Je trouve qu'elle est terriblement. Atroce pour. Enfin, quand il y a des ennemis planqués là-dedans, on peut pas aller jusqu'au point. Bon, eux, ça veut dire qu'ils sont pas au point, mais. Ok. Je le vois plus. Hop, je l'ai touché. J'ai envie de me mettre là et de faire. On sait jamais vu que c'est tout droit. Ça touche pas. Ah, j'ai peut-être mieux comme arme. Oula. Il a failli m'avoir. Oh, je sais pas qui l'a eu. Peut-être une bombe. On est bien niveau kill, 19-11, quasiment deux fois. Touché. Cache-toi de l'un côté de l'autre, on t'abat. On est partout, nous. Et ouais, cherche pas. Je suis peut-être le dernier de la ligne. Non, il y a des gens plus loin. Toi t'avançais droit vers moi. Un petit kikou sauvage. Ah non, ça se trouve c'est pas un kikou, il savait juste pas qu'il lançait droit dans la ligne d'un sniper qui visait vers lui. Excuse-moi petit. Ce n'est peut-être pas un kikou. On sait jamais, hein. C'est quand même une bonne idée d'avoir mis cette voiture là. Permet bien de voir les bons hommes, je trouve. Ah, je pensais que je touchais. Je revois à la fenêtre. Il file super vite, hein. Ah non, il y avait un arbre juste à cet endroit-là. Le petit muret là ça m'arrange pas parce qu'il a il les défend dans le point. Toi. Allez, monte ta tête, toi. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui me contournait. J'ai cru percevoir une ombre et apparemment il y avait vraiment quelqu'un. Oh, on a un APC là-bas. Le mec est allé mettre son APC là-bas. Ça, j'apprécie la démarche. Il y a tellement de monde que. Ouais, il m'a décalé dans le bon sens, lui. J'espère que c'était pas notre APC là-bas. Ah, j'ai fini par me faire dézinguer, mais. Je pense que j'aurais fait du kill en voiture. Pas suffisamment pour qu'on perde pas le point. Ça c'est embêtant. Faudrait une poignée de peut-être la moitié du groupe qui reste planqué dans le point. Peut-être qu'on a des alliés qui sont démotivés parce que
Oh, c'est atroce ça. Je vois pas qui tire. Toucher. Retoucher. Encore toucher. Raté. Toucher. 4 kills en 5 balles. Faut dire, il fonce à toute vitesse donc. Il se méfie pas assez. Il fait bien de se mettre derrière l'arbre lui. C'est bon, on a du monde sur place. Arrête-toi, petit bonhomme. C'est arrêté derrière sa moto. Ah, j'ai pas tiré du bon côté. Yeah, y en a un qui vient d'écrabouiller. Non, il a pas écrabouillé visiblement. C'est un raté. Je sais pas si on a encore des avions pour nous aider. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Laisse-le passer. Je l'ai pas vu. Il était plus loin. Enfin, je l'ai pas touché surtout. Je m'attendais pas à le voir. Je m'attendais à le toucher. Alors, lui me cacher, il y a beaucoup de monde qui passe par là. Si jamais je pouvais me mettre à sniper de l'autre côté, ça pourrait être bien. Bon, au moins on leur complique la tâche. Enfin, peut-être qu'ils veulent pas. Il y en a probablement chez l'adversaire qui veulent pas terminer parce que ils considèrent que la partie est gagnée et que ils ont tout intérêt à continuer. Hop, headshot. Bon allez, hop là. Il y avait un mec jouer avec un lance-flamme là. Bon. Fini la rigolade, on va se planquer. De l'autre côté, j'ai une idée assez nette d'endroit où je pourrais m'installer. Là, le terrain est en pente. Il y a plein de gugus qui viennent se mettre contre le mur. Se croyant protégé. Ils vont finir par se rendre compte que je suis là, mais. En attendant. Il n'y a plus de gugus. Il y en a un là. Ah, je l'ai loupé. Ça va être ça. Voilà. Et je suis premier de la partie avec 33 kills. Faut dire, regardez ma défense de qualité. Vous comprendrez. Toi t'es mort. Toi aussi. Je pense qu'ils viennent me chercher les deux cocos. Donc on va changer. Position. Peut-être qu'ils sont morts, j'ai pas vu.
Quelqu'un l'a tué. C'est terrible ce qu'on peut faire de dégâts quand on est derrière les lignes ennemies. On est quand même en train de perdre, ça je comprends pas tellement. Vous voyez pas les carnages que je fais? Faites pareil et on gagne. Ok. Voilà, c'est ça, concentre-toi. En plus, je gagne des points de défense. De 800 points. Il y en a qui doivent arriver d'autre part, hein, parce que. Ou alors on a vraiment zéro allié parce qu'ils se font snipe de ce côté-là, c'est possible aussi. On a peut-être très peu de monde sur le point. Ah, j'ai pas regardé assez. Ah ah ah. Voilà. Visiblement, ils ont pas de sniper décidé à m'abattre. Quarante et un kills. Bon, ça m'arrange pas qu'on perde pour la guerre, mais sur le principe, c'est quand même lucratif en points. Lui, il fait de la marche arrière. J'ai plus de mal à analyser où est-ce qu'il va être parce qu'il marche en arrière. Il a mis une petite accélération, lui. Tu n'auras pas de spawn. Je pourrais la reprendre à l'occasion. Là, j'aurais ôté un bon nombre de vies. Avec les ressources commencent à être limitées, je pense que il y a moyen que la guerre soit gagnée par celui qui a plus de fantassins. C'est une guerre très serrée en ce moment parce que les États-Unis ont pris. Enfin, c'est l'Amérique plutôt dans ce jeu. L'Amérique a pris Paris. L'URSS. Enfin, le nombre de villes est quasiment équivalent pour chaque faction. Il n'y a pas vraiment de gens qui l'emportent. Nous, on perd un petit peu par rapport aux deux autres, mais. Et les capitales ont tendance à tomber d'un côté puis retomber de l'autre. On s'est juste fait un peu avoir en tant qu'Allemand parce qu'on ne défendait pas bien. On défendait pas bien Paris, qui est vraiment d'un côté. Et ça nous a sûrement pénalisé. Donc on a perdu Paris, on a perdu beaucoup de territoire à proximité. Ah! J'espère qu'il a rien eu en plus. Ils ont que des motos, nous on a presque plus de véhicules, ça c'est mauvais. Et on va perdre la bataille de toute façon par manque de fantassins. On avait 400 fantassins au début. Il y a un adversaire qui a fait 70 kills. Vous dites que moi je suis premier en kill avec 44. Il vaut le premier et le troisième, grosso modo. En nombre de kills, je sais pas si mais il a été. Ah, vu qu'il est premier en points et qu'il a 1200 de score, j'imagine qu'il se débrouille bien sur d'autres domaines. Je pense qu'il a craqué mon véhicule pour pouvoir mitrailler nos fantassins. Le mec. Il y a un mec qui vient de le reping. J'aurais dû attendre un peu plus qu'on. Un peu plus de temps. J'ai un trop petit angle là. C'était mieux là-bas. Comme c'est toujours mon véhicule, logiquement, je dois pouvoir monter dedans même s'il a été craqué. Bon, comme il est craqué, tout le monde peut monter dedans en fait. Est-ce qu'on voit Je des. tenais également à remercier monsieur Oh là Sinclair là! de l'avis de ma. Ça m'arrive couramment en ce moment qu'il y ait des trucs qui se relancent en arrière-plan sans raison valable. Ouais, voilà, ma voiture a dit pop.
je touche pas, je pense que j'ai pas la bonne distance là. On va recharger pendant que je vois personne. Il y a un type là-bas, paraît-il. Ouais, même il est derrière la botte de foin pour moi. Voyez-vous. Touché. Il n'y a pas vraiment des gens là-bas. Non. Ouais, ils ont défendu l'objectif, ça on est d'accord. Des gens qui passent super loin. Je pense qu'elle vient pour moi, la moto. Je la vois pas. Pas grave, on va rester concentré sur les fantassins. Ils viennent plus apparemment. Ah, ça c'est bête. Ouais. Il me fonçait dessus, j'aurais dû lui tirer dessus à ce moment. Enfin, j'aurais dû gagner mon tir à ce moment-là. Bon, hop. Ah, en plus c'est un coin isolé et tout. Eh ben, ils se sont mieux débrouillés, hein. Moi, je dis que c'était une bonne bataille quand même.